Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment débloquer tout opérateur un Samsung GT S5839i et aussi on va apprendre donc à le router parce que pour le débloquer tout opérateur ou des SIM loqués il faut le router. Alors le premier test à faire c'est de savoir si votre téléphone est bien bloqué tout opérateur. Donc il vous suffit de composer étoile dièse 74, 65, 62, 5, dièse. Là, il vous met donc l'état du blocage réseau. Si vous êtes sur off, vous n'avez aucun problème, vous pouvez mettre n'importe quelle carte SIM, votre PC, votre smartphone acceptera. Si ici, comme dans notre cas, on est sur on, là, il est bloqué donc sur l'opérateur, on ne peut pas mettre d'autres cartes SIM. On va préparer une carte SD. Pour préparer la carte SD, il vous suffira de télécharger un fichier zip. Je mettrai le lien sous la vidéo. Une fois donc ce fichier zip téléchargé, vous ferez un clic droit, extraire tout. Vous sélectionnez les deux fichiers, vous faites un clic droit copier. Vous allez donc sur la carte micro SD qui est connectée à votre PC. Vous faites un coller. La carte micro SD est terminée, vous n'avez plus qu'à la déconnecter du PC. De retour sur le téléphone, on va donc placer notre micro SD dans le lecteur prévu à cet effet. Ceci, on va ensuite éteindre le téléphone. Pour le rallumer, avant d'appuyer sur le bouton Power, on va maintenir son haut, bouton Home, et un dernier donc, on appuie sur le bouton d'allumage. On relâche uniquement le bouton d'allumage, on maintient les deux autres. On relâche les boutons et on descend donc avec le volume haut et bas, on peut monter, descendre. On va aller sur Apply Update from SD Card. On appuie sur Home pour valider. On va chercher donc notre Universal GB Route et on valide. Donc il est en train d'installer notre route. Donc il nous valide qu'on a bien routé notre téléphone. Donc là, on va redémarrer le téléphone. Une fois le téléphone redémarré, on va aller dans mes fichiers. On va cliquer sur Galaxy Tool. Galaxy Tool, donc c'est le deuxième fichier qu'on a sur notre carte SD. Alors, il se peut que par sécurité, l'installation soit bloquée. Dans ce cas, on va dans Paramètres et on autorise les sources inconnues. On revient en arrière et on installe donc Galaxy Toolbox. On l'ouvre. Donc, le super user nous demande l'autorisation d'élever cette application. Donc, on fait grant.
Donc on va mettre notre application Super SU à jour. Ensuite, on va relancer donc notre Galaxy Toolbox. On coche, on accepte les risques. Et ici, on a Network Unlock. Donc, on accepte et on laisse la procédure se faire. Donc voilà, il nous met procédure terminée. Donc on va refaire notre code. Donc étoile dièse 74 65 62 5 dièse. Et là, notre blocage réseau est passé sur off. Ce qui veut dire que notre téléphone est DSIM locké, il fonctionnera avec n'importe quelle carte SIM. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivi. À bientôt.